premier, c'est celui de faire de l'emploi la priorité et de permettre à chacune et à chacun de travailler dans le territoire où il habite et de faciliter justement à travers des aides économiques, de s'assurer que l'argent public aille bien à la création d'emplois, à la formation, pour permettre à chacune, à chacun de travailler là où il habite. Le deuxième, c'est tout l'enjeu de la bifurcation écologique et de prendre dès aujourd'hui des politiques régionales qui stoppent le réchauffement climatique et qui permettent de préserver la nature, la planète sur laquelle nous habitons. Enfin, le troisième grand point est celui de l'enjeu démocratique, celui de construire les politiques régionales en partant des réalités vécues par les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit au cœur des grandes métropoles, dans les quartiers populaires, tout comme dans les zones rurales très nombreuses, les zones de montagne, puisque nous avons la première région de montagne de France, mais nous avons aussi une région de vallée, une région de ville, une région de village. Nous ne voulons pas opposer les territoires, mais bien évidemment de permettre à chacune, à chacun de pouvoir vivre dans notre région. Bien, je pense que c'est avant tout des choses nouvelles et à remettre en cause. Le premier choix de la mandature de Laurent Wauquiez a été l'arrêt de la conditionnalité des aides. Je crois qu'au contraire, nous avons besoin d'une conditionnalité. Oui, nous avons besoin d'aider les entreprises et en échange, elles ont besoin d'aider pour la création d'emplois, le développement des territoires. Nous avons besoin de donner toute sa place dans les lycées à un bien-être de nos lycéens. Et donc, nous proposons la gratuité de la restauration scolaire pour tous les lycéens parce qu'aujourd'hui, on ne choisit pas le lycée où l'on va. Donc, selon si l'on est à côté ou pas, eh bien, c'est parfois compliqué de pouvoir rentrer chez soi. Selon si l'on est riche ou pauvre, eh bien, l'accès à un repas de qualité n'est pas le même. Et donc, quand on habite dans un village et qu'il faut plus d'une heure pour aller au lycée le matin, eh bien, oui, on se doit d'avoir un repas chaud et équilibré. Quand on est dans une famille populaire et que l'on n'a pas forcément accès à la restauration scolaire, on se doit d'avoir un repas équilibré. Je crois que c'est un enjeu pour bien réussir ses études. Et puis, l'autre enjeu sera d'associer au quotidien le plus, le mieux possible les habitants, notamment à travers des comités de ligne. On parle beaucoup du train, du retour du train. Eh bien, pour que ce retour du train soit efficace, c'est en construisant avec les citoyennes, les citoyens, les élus locaux, une meilleure desserte, une meilleure offre en termes de mobilité, y compris avec les collectivités telles que les intercommunalités ou les communes, de correspondance pour permettre des voies douces, pour permettre des parkings, pour permettre des arrivées en car et ainsi faire en sorte que le train soit plus et mieux utilisé demain partout dans notre région.